Bonjour toutes et tous. Alors, continuons avec la résonance. Rappelez-vous, pour être avec la résonance, c'est important de faire la différence entre chercher le vrai intellectuellement, parlant, ça c'est une chose, et vous mettre avec la résonance, c'est-à-dire comment un mot, une phrase, un activateur quelconque, qui peut être une image, un film, quelqu'un qui passe, quelqu'un qui vous parle, comment ça résonne en vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que le mot, qu'est-ce que l'activateur révèle dans ce qui vous habite, dans votre biochimie, donc qui est actif dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Et donc, c'est en prendre connaissance pour pouvoir voir qu'à l'intérieur de soi, c'est une vérité, mais qui n'est peut-être pas vrai. Donc, ça donne l'occasion de la remettre en cause. Alors, pour plus de compréhension avec ce que je vais faire maintenant, je vous conseille de voir les vidéos, les trois sources de vie et la dissection d'une séance de la proposition « Apprécier les manifestés de la vie dans la simple présence » de l'événement sur la pratique de l'instant.fr. Voilà. Alors, prenons des mots simples pour commencer. Si je prends le mot « peur » et je me mets avec ce que j'appelle la sphère intellectuelle, donc la première source. Peur, je vois des images, je vois quelqu'un qui se cache, je vois des souvenirs dans les cours d'école où j'ai pu aller, des choses comme ça, c'est des associations intellectuelles. Que je sais, d'accord ? Non, si je me mets avec la deuxième et la troisième source, donc je rappelle, la deuxième source, elle est avec l'inconscient, donc elle est avec toute la structure de survie, où il y a des trappes, où il y a je veux, je veux pas, donc je me mets avec cette... Oui, il y a ce premier palier, et le deuxième palier, c'est le supraconscient. Donc je me mets avec cette sphère du vivant, cette deuxième et troisième source, d'accord ? Et puis, j'émets peur, je contacte ce vivant. Et là, vous voyez, peut-être ma respiration s'amplifie, je sens quelque chose qui se pose. Il y a eu très vite, c'est pas resté, une pression. Là, ça presse un peu sur les clavicules. Et après, l'histoire, c'est... Laissez exister ça pour l'instant. Laissez simplement exister ça. Et le laisser nous traverser. Je vous propose trois autres mots. Haine. Alors, vous pouvez le faire avec la première source, sphère intellectuelle. La haine, ce que ça m'évoque dans mon idée, dans mon sens, dans ma raison. Des batailles. Montrer les dents, des choses comme ça. Je vais pas m'étaler, mais c'est juste pour vous montrer que ça va être un enchevêtrement d'idées ou une suite d'idées. Donc, si je me mets avec la deuxième et troisième source, donc la sphère du vivant, qui me traverse, d'accord, et que j'enclenche le mot haine, je pleure. Il y a des larmes. Alors, je laisse faire. Il y a de la tristesse. Une forme de perdition. Et après, tout ce que je peux dire, obligatoirement, ça va émettre une autre résonance ou une suite à la résonance, d'accord ? Et ça, on verra dans la troisième vidéo. Je vais prendre un autre mot, amour. Je me mets avec la première source, sphère intellectuelle. Amour, j'ai des images, j'ai ma compagne, j'ai ma mère, j'ai mon père. Quand j'évoque mon père, dans la résonance, si je suis avec la sphère du vivant, ça pleure. Je l'ai perdu, j'avais 2 ans et demi. Donc voilà, c'est ce que ça soulève, ce que ça révèle. Si je me mets avec la sphère du vivant, deuxième, troisième source,
Amour. Alors, c'est important de ne pas rester avec l'imagination sur le mot. Donc, ce que votre intellect colle au mot. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez rien découvrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ni découvrir qu'est-ce qui peut être coincé dans la deuxième source, donc dans la sphère de la protection, dans le palier de la protection, ni découvrir jusqu'où ça peut aller dans la troisième source. Et après, on peut visiter, parce que c'est toute une chaîne, c'est un voyage. Donc amour. Alors je sens, ça circule, ça vibre dans mon sternum, dans mes cuisses, au niveau des hanches. Il y a quelque chose qui s'élève, colonne vertébrale se redresse, il y a les mains qui s'ouvrent, les bras qui s'ouvrent. C'est pas parce qu'ils ne le font pas qu'ils ne le font pas, si vous comprenez ce que je veux dire. Dans l'énergie, le mouvement est là. Il y a une bienveillance. Et je laisse circuler. Bien sûr que quand je dis il y a une bienveillance, ça provoque quelque chose dans ma biochimie. Et je peux le goûter, je peux l'apprécier. Voilà. Quatrième mot, beauté. Alors bien sûr, intellectuellement, on va avoir plein d'idées sur la beauté. On peut même faire des dissertations à ne plus en finir. Même se bouffer le nez parce qu'on ne sera pas d'accord. Hein, comme disait Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais une mort lente. Voilà, et si je me mets avec deuxième, troisième source, avec le mot beauté, alors ma tête, ça fait quelque chose dans la tête. C'est comme si le mot beauté était galvaudé. Quand je dis ça allège les épaules. Ça fait que le coccyx recule un peu et se positionne sur le fauteuil. Et je pourrais aller laisser résonner, donc mettre mon attention sur ce positionnement et voir qu'est-ce qu'il y a comme information avec, dans la résonance. Comprenez un peu? Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et je vous embrasse. À plus tard. Ou jamais, peu importe. Bon voyage.